Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc il est précisément, je ne vois pas parce que les filles me parlent, 10h18. Alors je vous prends tard, mais je me suis levée très tôt. Mais les chiens ont foutu le bordel depuis que je suis... Enfin d'abord j'ai fait sortir les chichous pendant 2 heures. Bon, 2h30 d'ailleurs. Et depuis que je suis prête à ouvrir le vlog, Riley et Yuki ne font que jouer. Mais comme Riley ne sait pas jouer en silence, c'était très bruyant. Voilà, donc je vous ai épargné ce petit détail. Voilà. Je suis trop sympa. Là, ils sont dehors, donc j'en profite. Jusque quand, je ne sais pas, mais j'en profite. Donc, petit week-end, vendredi. Il y en a déjà un qui gratte à la porte. Vendredi, j'ai été sur Mondial Tissu et j'aurais pu le demander en collab hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de collab avec eux. Enfin, je ne réponds plus au collab puisque je ne sais plus coudre pour l'instant. D'ailleurs, je ne sais plus rien faire avec ces foutus doigts qui me font mal. Et du coup, j'ai commandé du tissu. Bon, je vais la faire rentrer. Et voilà. Donc, j'en ai profité qu'il y avait encore des soldes pour commander 3 mètres de tissu pour mettre sur mon canapé. Parce que je n'en peux plus de ce canapé. C'est bien quand on fait de la récup, ça coûte rien, mais le problème c'est que ben voilà, c'est pas esthétiquement, c'est pas toujours le top. Celui-là, il est quand même un peu abîmé. Les housses ne tiennent pas. Je trouve pas de tissu assez long. Les plaids, c'est pas assez large. Ou alors, il faudrait vraiment que j'achète des très grands, mais ceux-là sont très chers. Enfin, très chers. Le tissu revient plus cher puisque sur les 3 mètres, j'ai payé presque 50 euros avec les frais de port. Mais c'est du tissu assez lourd, donc il tiendra mieux en place sur le canapé, je pense. Voilà. Donc quand je l'aurai reçu, je mettrai ça et je le ferai tenir avec des épingles de sûreté et des élastiques derrière pour le tendre un peu. On verra ce que ça donne, sinon je découperai et puis j'essaierai de faire pièce par pièce. Je ne sais pas comment ça va aller, mais... voilà. Donc j'ai commandé le tissu... on a été le soir au resto chinois pour l'anniversaire de Sam, hein, voilà. Ça date hein, d'il y a presque un mois, son anniversaire, mais bon, on a été, quand on était motivés, qu'on a eu envie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au chinois, mais il y avait un monde de dingue. En plus, il y en a un des deux, celui où je suis tout le temps malade à chaque fois qu'on y va, là, qui a brûlé. Il y a eu le feu et il y a une personne qui est décédée dans le vestiaire. Une femme de serveuse. Non, mais c'est pas vrai. Donc, c'est vraiment très triste. Et ensuite, j'ai joué. Là, je suis sur The Witcher déjà. Le lundi, c'est journée glandage et geekage intensif. Donc, voilà. C'est là, je suis déjà sur mon jeu depuis que j'ai fait sortir les chichous. En plus, il y a énormément de choses à faire. Je ne m'en sors plus. Là, j'étais en train de faire. Je sais plus fait fond. Bon, je vais faire rentrer le gros. Je vais jamais y arriver. Mais alors, jamais. En plus, j'ai Sam qui a rentré parce que il m'a téléphoné de l'école. La prof du matin n'est pas là. Donc, il reprend le bus à 13h. J'ai annulé ma kiné parce que j'ai un début d'angine. Je suis un peu palote, hein. Ouais, j'ai l'impression. Mais j'ai toute la nuit, j'ai eu super mal la gorge et les oreilles. J'ai douillé. Et alors, j'ai même plus de goutte anti-douleur pour les oreilles ou quoi que ce soit. Donc, ben, j'ai souffert, voilà. En silence, mais j'ai souffert. Les chiens ont été infernales, j'ai super mal dormi à cause de tout ça. Mais voilà. Donc, le soir, j'ai joué. Le samedi, j'ai tourné une vidéo. Puisque c'est des make-up, donc je peux en faire qu'un par un. J'ai fait ma sieste parce que je m'étais réveillée très tôt, je m'étais réveillée avant 3h, donc j'ai été me coucher à 10h, 10h30 je crois. Ensuite, on a le beau-frère et la belle-sœur qui sont venus, j'ai fait mes petits soins, masques, mes ongles et tout ça, enfin soins des ongles et tout ça. Et le soir j'ai joué. Hier je me suis battue avec mon imprimante. Alors, c'est une nouvelle imprimante que j'avais achetée sur Amazon, pas chère, qui est connectée en Wi-Fi. Donc, elle est à l'autre bout de la salle à manger, de l'autre côté de la table.
Et j'essayais d'imprimer, parce que j'arrivais au propre le CV de Sam, et il lui fallait une photocopie de son attestation de scolarité et de sa carte d'identité pour le job d'étudiant au boulot de son père. Ça n'imprimait pas. Mais ça n'imprimait pas. Mais je me suis pris la tête avec pendant des heures. Pour finir, j'ai dit à chérie, regarde, parce que ça m'énerve, parce que c'était lui qui l'avait connecté la première fois. Pas moyen d'imprimer, il ne voulait pas se connecter au wifi. J'ai dit, mais bordel, c'est quoi ce truc? Après, assis, je suis à chérie, mais hein, j'en ai con. J'en ai changé de fournisseur internet, donc il faut certainement synchroniser l'imprimante et la box. Ça marchait toujours pas. Je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Et puis d'un coup, chérie, on tilte, mais vraiment en même temps, c'était mort, j'étais mort de rire parce que on tilte que mon Mac maintenant n'est plus en Wi-Fi. Je l'ai mis sur l'Ethernet. Donc forcément, pas de Wi-Fi là, ben ça va pas jusque là-bas. En fait, il a suffi que je débranche l'Ethernet, que je me remette en Wi-Fi, ça a imprimé tout seul. Ah, magie! Voilà, tout ça parce que je veux pouvoir jouer en paix. Mais comme j'ai des problèmes de Wi-Fi sur le Mac, c'est extrêmement chiant parce qu'il est très vieux, donc il ne fait plus de mise à jour, plus rien. Je perds la connexion Wi-Fi, ça saute au bout d'un certain temps. Des fois, ça peut sauter pendant 10 minutes, des fois 10 secondes. Mais des fois, je dois redémarrer le PC. Enfin, voilà, c'est un peu chiant. Donc, je m'étais dit, pour ne pas avoir le problème de... Vu que je joue en réseau, la PlayStation est reliée au Mac, pour pas que ça saute pendant que je suis en plein combat ou des choses comme ça, je vais mettre sur la prise Ethernet. Mais du coup, la prochaine fois qu'il faut que j'imprime quelque chose, hein, faudra pas que j'oublie de mettre le Wi-Fi, voyez. Mais je me suis pris la tête avec ça pendant je sais pas combien de temps. Bon, l'avantage, c'est que pour l'instant, je peux pas imprimer de bordereau Vinted, puisque mon compte a été bloqué jusqu'au 19 février. Voilà. Donc, il faut que j'attende que ça se débloque. Alors, les palettes qui sont transparentes, ils me les comptent forcément en pas neuve. Et ça, j'avais déjà eu problème avec des palettes neuves. Celle-là, c'est la NYX, elle est pas... Je l'ai utilisée quelques fois, mais j'avais déjà eu problème avec des palettes neuves. Et juste parce qu'on voyait les phares en transparence du couvercle, ils me les supprimaient parce qu'eux, ils considéraient qu'on voyait les phares. Donc, c'est qu'elle était ouverte. Alors qu'il y en a qui mettent des palettes neuves ouvertes pour montrer les phares et tout ça. Je sais pas c'est quoi leur truc pour faire sauter les annonces là, mais ils sont extrêmement chiants. Et du coup, comme j'ai eu plusieurs fois le message pour la même palette et que je l'ai remis 3-4 fois à la suite en vente, eh bien ils m'ont bloqué mon compte. Voilà. Faut chier. Et je me suis pris une zine. J'ai envie de me commander des petits nœuds pour mettre dans les cheveux parce que j'adore les petits nœuds tout simplement et j'adore celui-ci. Ça faisait longtemps, je viens de le retrouver. Hein. Mais je l'adore, je l'avais eu gratuit dans un colis AliExpress une fois. Et je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'aime bien quand je fais des demi-queues mettre une pince, enfin une barrette, une déco quoi tout simplement. Et en ce moment j'ai envie de nœuds dans mes cheveux. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Hein. Quand je vous dis, moi quand ça me toque, hein. Ruby is back. Et du coup, je voulais m'en faire avec des rubans, mais j'ai pas de ruban assez large, sauf un, et ça donne trop bien. Mais j'ai retrouvé les autres que j'ai. En fait, c'est depuis que j'ai fait, vous avez vu la coiffure pour le Disney Challenge d'Alice, que je vais refaire quand je vais filmer le Alice Disney Challenge. Avec le petit nœud noir, j'ai trouvé ça super classe. Voilà. Et du coup, je me suis fait celui-là. Trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà. Donc, ça, c'est un ruban que j'avais commandé une fois sur Temu. J'ai juste collé un strass avec de la super glue. J'ai cousu ici pour froufrouter. Et j'ai cousu un élastique en même temps derrière. Voilà. Comme ça, je peux le faire quand je fais une demi-queue. Ça fera un peu petite fille, mais même regarder pour mettre sur une queue de cheval, ça peut être super beau. Donc voilà, j'ai regardé un peu pour en commander, mais j'en trouve pas dès qu'il y a une fente qui me plaît sur Temu ou sur Chine. Donc soit je m'en fais, soit je ne sais pas. Voilà, tout simplement, je vais voir. Donc voilà pour le week-end. Et pour clôturer la journée d'aujourd'hui, je viens de recevoir. Des trucs pour mon anniversaire dimanche.
Donc je mets des coups. Alors je suis désolée, hein, j'ai mal à la gorge, donc j'appelle souvent ma salive. Et ça me fait mal là. Donc c'est les petits décos pour les cupcakes. Donc vous avez double côté pour la couronne. Donc ah, attendez, il y en a deux. Par contre, il n'y a pas de fond, donc j'ai jamais utilisé ce genre de truc. Je ne sais pas si je dois quand même mettre une corolle, mais je pense que pour les cuirs, je vais quand même mettre une corolle de toute façon. J'essaie de le fermer. Hein. J'en fais qu'un parce qu'il va me servir en déco, mais je suis contente, il m'en restera un. Donc voilà, ça fait la petite corolle comme ça. Mais vous voyez, il n'y a pas de fond, donc il faudra quand même que je mette un en papier pour le glisser dedans. Donc je ferai cuire les cupcakes à l'avance. Comme ça, je les glisse dedans, je mets la chantilly et la déco. Et ensuite, vous avez... Ah, attendez, j'essaie d'en choper qu'un. Là, truc à mettre dedans pour la déco. Voilà. Je trouvais ça super kitsch. Donc, tout ce qui est kitsch, moi, j'adore. Voilà. Vous le savez, hein, maintenant que je suis une grande gamine. J'essaie de voir pour le fermer, pour qu'il soit plus trop... Ça ne tient pas super bien, hein. Donc ça fait plus beau vers l'intérieur. Oui, les titis. Oui, mes titis. Je parle, alors ils répondent. Je suis en train de me battre avec elle maintenant. Donc voilà, vu qu'il m'en faut que 11 sur les 12. Je sais pas que c'est bien 12, hein. Il me semble que c'est 12 pièces. Donc je vais quand même mettre un bout de papier collant derrière pour que le tenir bien en forme. Et là, je vais m'en servir comme déco pour mettre dans mon fond. Vous voyez, je vais juste mettre des fleurs, je pense, à l'intérieur. Et piquer ça dessus. Mais l'autre, ce sera avec la chantilly. Ah, vous pouvez le mettre dans les deux sens, mais moi, je voulais vraiment le côté licorne pour le thème de ma soirée, enfin, de mon repas de midi, puisque ça sera à midi. Donc, voilà, voilà. Avec les cupcakes licorne à l'intérieur, ça passe super joli. Donc vous avez tout le stock là et ça. Voilà. Donc là je vais les ranger, je vais les mettre dans ma boîte. Je vérifie que c'est bien 12 pièces. Hein. Barquette plus étui, on s'en fout. C'est même pas marqué. Il me semble que ouais, c'était bien. J'espère. C'est pas si. Je ne sais plus. Je ne y ai plus. Je vais voir dans mes mails. Amazon. 24 pièces. Donc, ouais, c'est bien pour 12 cupcakes. Et moi, il m'en faut 11. Donc, voilà pour ça. Il faut que je recharge mon téléphone. Eh bien, écoutez, moi je vais continuer à jouer un petit peu, après j'irai manger et puis j'irai à la sieste. Enfin, j'irai manger. Je vais manger puis j'irai à la sieste. Je ne sais pas si j'attends que ça me reparte ou si j'attends que je me lève avant qu'il parte ou est-ce que je lui fais confiance. Ça c'est délicat. Il est capable de ne pas retourner à l'école en disant oh, je me suis endormie ou oh, j'ai perdu l'heure. Et oui, les gosses, hein. En même temps, les faire retourner à l'école pour 2 heures de cours après, c'est un peu débile. Hein. Mais bon, on verra bien. Je me chope un bout, là. Et comme, ouais, pour mes ongles, ça aussi, je voulais vous dire, j'ai quand même eu, même que j'ai mis celui exprès pour les mycoses, hein, j'ai quand même eu de temps en temps les ongles, enfin, le tour de l'ongle qui me gratte et qui fait des petits boutons. Donc c'est une allergie, c'est sûr, mais c'est pas mes produits ongles. Je ne sais pas du tout à quoi c'est, parce que ça j'ai déjà eu. Ou j'ai ça aussi souvent en été à cause de la chaleur. Et là, ça peut pas être la chaleur. Moi, je suis gelée, j'ai les mains gelées. Mais c'est une réaction à quelque chose, donc je ne sais pas trop à quoi. Je sais pas si c'est le champignon qui réagit, si c'est un produit que j'utilise qui me fait des réactions allergiques ou quoi que ce soit. Je ne sais pas trop. Donc du coup, je vais pouvoir refaire une pause américaine et refaire mes ongles, puisque ça ne change absolument rien que je lis ou pas, ça me gratte autant. Donc, quitte à souffrir, autant être avec les mains jolies, quoi, parce que là, c'est pas... J'ai les doigts défoncés. J'ai mal, hein.
J'ai mal le tour, vraiment le tour des ongles. Je sais pas ce que j'ai. J'espère que ça va vite passer parce que ça commence à me gaver. Après, elle m'a dit qu'un champignon, ça pouvait prendre du temps, mais j'ai plus l'impression, quand j'ai pas de vernis, j'ai plus l'impression que mes ongles ont un souci. C'est vraiment le tour des ongles. Mais à force de chipoter à l'intérieur aussi, pour essayer de bien nettoyer et tout ça, je me fais mal moi-même. Hein. Puis là, comme ça pèle, j'arrache les bouts et ça saigne. Donc, est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. Voilà. Mais j'ai le bout des doigts sensibles. Il y a la patate qui est en train de ronfler dans le canapé. Cette nuit, ils ont été chiants, mais chiants. Elle qui n'a pas arrêté de se lécher. Alors, je léchais la patte. Après, elle ronflait. Puis, elle rebougeait, elle se tendait les pattes comme ça. Puis, alors, elle me poussait. Yuki qui n'arrêtait pas de se coller à mon visage. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Alors déjà que j'avais mal partout, enfin que j'avais mal la gorge, mal la nuque, mal l'oreille, ça me lançait vraiment. Là, ça s'est un peu calmé, mais ça me lançait vraiment comme ça tout le conduit là. Donc j'étais pas bien, je dormais comme ça avec ma main sous l'oreille pour essayer de calmer la douleur, mais ça marche pas. Hein. Mais j'avais pas d'autre solution. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce c'est tout. Du coup, je vais pas chaquiner ce soir, je vais rester au chaud cette semaine. Là, je sais que Chéri va chercher Georges à l'école après les cours et ils vont voir pour une nouvelle paire de baskets parce qu'il lui faut des chaussures. Il faudrait bien qu'il aille voir après les cafés parce qu'il n'y avait plus de café au champ hier. Donc, il m'a ramené un paquet de Senseo, café au lait Senseo. Ils sont bons, ils sont pas aussi bons et je peux pas m'en enfiler 3-4 à la suite parce que, clair, j'ai de l'acidité directe. Là, je vais m'en refaire un petit pour patienter jusqu'à l'heure de manger. Mais je pense que je vais peut-être attendre que Sam reparte à l'école pour faire une sieste quand même. Parce que ça me stresse un peu qu'elle aille pas à l'école. Donc voilà. Faut que je fâche la cache de Titiche. Sauf que j'ai plus de journal pour mettre en dessous. J'ai rien à les acheter. Donc il faut que j'attende que les pubs passent. Pour avoir un journal à mettre dans le fond. Voilà. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai fait mon lave-vaisselle, j'ai rangé un peu. Alors ça m'est rentré. Il y a déjà son sac et sa veste qui traîne. Faut que je remonte mon tissu. Et voilà. J'ai pas fait grand-chose toujours. Mais le lundi, c'est journée glandage. C'est d'office. J'essaie d'être au calme. Bon, là, c'est pas de chance. Les chiens ont foutu le bordel jusqu'à maintenant. Et ça m'est déjà rentré. Mais j'essaie d'être au calme. Je profite du calme et de la solitude qui règne, pas aujourd'hui, mais qui règne d'habitude le lundi. Elle dort bien. Il y en a qui ont de la chance. Bon, allez, sur ce, on se dit toujours. Voilà, là, ça enregistre. Il est 8h55, donc je vais aller nourrir mes clébards. Je viens de tourner ce make-up que vous aurez mercredi. Voilà, c'est une palette à make-up avec la Clémentine de Jeffree Star. Je vais ranger mon petit cupcake. Donc voilà, j'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui, sauf que hier j'ai fait une commande chez Shein. En fait, il me refallait des pantoufles puisque je viens de mettre au pied ma dernière paire de pantoufles. Enfin, c'est pas vrai, j'en ai encore une paire, mais c'est pas les mêmes semelles, j'ai pas fait gaffe. J'ai cru que c'était des semelles dures, épaisses, mais là c'est des un peu en espèce de mousse comme ça, frigolite, je ne sais pas trop. Et je ne supporte pas le bruit qu'elles font quand je marche, donc je les mettrai pas. Et du coup, j'ai recommandé deux paires de pantoufles. Et comme en ce moment, je suis à fond dans les nœuds pour les cheveux, j'ai commandé des nœuds pour mettre dans les cheveux, bien évidemment. Et du coup, je suis retombée sur un pyjama. Ouais, bah oui, vous savez ma passion pour les pyjamas, hein, puisque je ne suis habillée que comme ça, quasi H24. Je mets juste un haut pour filmer et je m'habille pour aller chez le kiné ou faire les courses. Voilà, c'est tout. Ou quand, même pas quand il y a quelqu'un qui vient, hein. Si, là, dimanche pour mon anniversaire, enfin, aujourd'hui pour vous, je vais être habillée parce que j'ai du monde qui vient manger à la maison. Mais par exemple, quand DJ, elle vient me rendre visite, boire le café, je suis en pyjama.
Pyjama is life. Voilà, tout simplement. Donc à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Hier, j'ai glandé, mais j'étais vraiment pas bien. De toute façon, j'ai encore super mal. Hein. Ça se voit pas comme ça parce que j'ai l'air d'aller bien, mais je vais pas bien du tout. Hein. J'ai mal à l'oreille, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à l'oreille. C'est clairement une otite et j'ai plus de gouttes, j'ai plus de batterie. J'ai plus de gouttes pour mettre dedans, mais quand je baille ou que je fais aller ma mâchoire, je vais pas le faire, ça me craque dans l'oreille et ça fait un mal de chien. Donc voilà, je souffre. Mais je vous le montre pas, je suis trop gentille avec vous. Donc j'ai plus de batterie, je vais m'occuper des chiens, tout ça. Donc ça aura été une journée très courte, mais j'ai rien de spécial à vous dire. Donc on peut switcher de jour. Moi je vais refaire maison, enfin je vais essayer si j'ai la motivation, mais je vous promets rien. Voilà. Je vais me centrer un petit peu, voilà. Alors il est 9h06, je vous ai pas pris hier parce que j'ai absolument rien foutu. J'ai dormi toute la journée hier, j'étais pas bien. J'ai passé une nuit de merde, alors vraiment de merde. J'ai dû dormir 2h30 de façon très sporadique. Donc j'étais crevée toute la journée, j'ai fait que dormir. Ryan a fait que me réveiller à chaque fois que je m'endormais. Il était extrêmement chiant hier. Je crois qu'il était un petit peu emmerdé, il devait chier toutes les 5 minutes, quoi. Bref, en gros, c'est ça. Et voilà, il m'a beaucoup fait chier. Donc j'ai absolument rien foutu, à part que le soir on a été chez le médecin. On a été pour Sam parce qu'il a souvent des migraines ces derniers temps. Donc voir s'il y avait quelque chose de sous-jacent qui pouvait lui causer ses migraines, hors le fait qu'il soit sur un écran quasi H24 et qu'il dorme largement pas assez. Bon, elle pense comme moi hein, que ça vient de ça, surtout que comme on est migraineux dans la famille, ben voilà, il fallait bien que ça lui arrive à lui aussi, hein, il aurait eu trop de chance d'y échapper. Mais on avait rendez-vous à 18h, puisque je l'ai appelé le matin, je lui ai laissé un message et elle m'a rappelé sur le coup de midi. Et on avait rendez-vous à 18h le lendemain. Enfin, j'ai téléphoné mardi et on avait rendez-vous donc hier. Je lui ai demandé hein, le rendez-vous le mercredi pour avoir plus facile parce que je pouvais pas prévenir chérie à la dernière minute si c'était trop tôt. Donc on avait rendez-vous à 18h, on est sorti de là à 8h moins le quart. Elle avait plus d'une heure de retard, 1h20 de retard, je crois, un truc comme ça, je n'en pouvais plus d'attendre. Après c'est un très bon médecin, donc elle a pris le temps avec Samuel de lui poser plein de questions, voir s'il voulait que je sorte pour lui parler plus ouvertement si j'étais pas avec, et des choses comme ça. Alors il dit non, je dis tout pour ma mère, elle sait tout. Ryan ! Et puis... Donc elle lui a posé plein de questions et tout ça, elle lui a demandé d'essayer de dormir une heure plus tôt tous les jours pour essayer de reprendre un peu un rythme un peu plus avantageux pour se reposer. Moi je pense sincèrement qu'il voulait quelques jours de congé à l'école. Du coup il n'en a pas eu, c'est con, hein. Voilà, c'est ballon. Et donc voilà, bon après mardi il n'a pas cours déjà, mercredi il n'a pas cours de toute façon le mercredi. Ça lui fera 2 jours de repos déjà, il aura cours que le lundi. Mais voilà, on n'en pouvait plus. On est rentré, c'est chéri qui a fait à manger. On a mangé, il était 8h30, presque 9h moins le quart. C'est beaucoup trop tard pour moi. Mais d'en tenait plus, alors j'avais du mal à manger, j'ai dû les recoller. Enfin, tout un bordel. Hier, c'était pas mon jour. Donc voilà, en plus j'ai plus de café depuis hier, donc là je suis au latte Starbucks, mais j'aimerais bien les économiser, le prix. Et en plus c'est pas... Moi j'aime bien savourer mon petit latte le soir, là c'est pas le matin, c'est pas... Il veut mon chéri rentre du boulot parce qu'il m'en a commandé au boulot. Sinon ce matin, j'ai déjà pas chômé depuis 6h que je suis réveillée. Hier j'ai fait une petite commande Temu. Ah tiens donc, ça faisait longtemps. Je crois que le whole chain est Temu hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Je sais plus pourquoi j'avais été voir. Je ne sais plus ce que j'ai commandé. Euh...
J'ai été voir pour un truc bien spécifique. Ah oui. Au départ, j'ai été voir pour une chemise à col montant en dentelle. Maintenant, elle a un beau pull comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est... Oui, ça doit être son pull parce que c'est tout le temps comme ça. Que j'ai je trouve toujours super beau et super classe. Et mon chemisier avec le nœud là, que j'ai commandé la dernière fois sur Chine, je l'adore. Je l'adore. Et j'ai envie de le mettre en dessous de tout. Bon, pas mes pyjamas, mais en dessous de tout. Et du coup, là, j'ai trouvé des cols. Des faux cols, en fait. Donc, j'ai commandé deux faux cols dans le même genre. J'ai pris un en noir dentelle et un en blanc bien montant. Et j'ai pris un petit nœud papillon pour mettre avec. Enfin, voilà, je commandais, je voulais aller voir juste pour une chemise et j'ai pris ça à la place. Je me suis dit c'est mieux que d'acheter une chemise que je pourrais pas mettre tout le temps, tandis que ça je peux le mettre en dessous de tout, un col, un gilet, je peux le mettre en dessous d'un pull en col en V, en dessous d'une veste, enfin voilà, je peux le mettre vraiment en dessous de tout. Donc, voilà, on testera ça. Et alors ce matin, j'ai déjà fait mon lave-vaisselle, j'ai fait sortir les chichous pendant un peu plus d'une heure. Après ils sont rentrés, donc j'ai tout fermé. J'ai lavé mes pinceaux, j'ai fait ma petite déco cupcake là, que ça fait des jours que je dois faire, avec les supports que j'ai achetés pour faire les cupcakes pour mon anniversaire aujourd'hui pour vous, mais dimanche pour moi. Et voilà ce que ça donne, je trouve ça très joli. Voilà. Donc il ira sur ma déco de table et je le mettrai en déco dans mon fond de... Bon là j'ai pas collé les fleurs, hein, j'ai pas gaspillé les fleurs pour que ça se voit pas. Donc j'ai fait ça, voilà, ça m'a pas pris longtemps et je suis contente du rendu. J'ai fait quoi encore? Ouais, j'ai lavé mes pinceaux, lave-vaisselle, je sais plus ce que j'ai dit. Faut que je fasse mes poussières. C'est chiant parce que c'est pas, ça va vite à faire la poussière. Hein. Il y a tellement de bordel sur les meubles, à chaque fois ils vont tout bouger et en plus je suis trop petite pour atteindre la hauteur de mes meubles. Donc là, je vais prendre l'escabeau et tout, le marchepied. Ou une chaise. Donc je vais encore faire ça. J'ai une vidéo à monter, mais je sais pas si j'aurai le courage. J'ai fait ma marinade pour mes carottes pour dimanche. En fait, au départ, vu que j'ai une dinde farcie, vu qu'il me reste une dinde au congèle, je voulais faire avec des poivrons. Alors, genre, je n'aime pas les poivrons, alors on fait des Et chérie a acheté un gros paquet de carottes la dernière fois pour mettre dans son rôti. Il a pris un truc de 2,5 kg de carottes pour mettre 3 carottes dans la sauce du rôti. Hein, voilà. Donc j'ai dit pour pas devoir jeter les carottes, parce que j'ai très souvent des carottes. Au lieu d'acheter 2-3 carottes à l'unité, non, il préfère acheter un gros sac et on jette les 3 quarts. Donc j'ai dit je vais faire ça, mais pour pas que ça soit trop sec avec la farce, je les ai fait mariner là dans de l'huile. Avec du bouillon de bœuf effrité. Non, pas sel, poivre, ça j'ai pas mis, parce qu'on en mettra dans la farce. J'ai mis ail, persil, thym et laurier. Et oui, je fais ça parce que je tournais au fur et à mesure. Et du coup, je les ai mis dans une boîte, comme ça de temps en temps, je vais secouer ma petite boîte pour que ça enrobe bien les carottes et elles ne se font pas trop sèches. Et ça mettra du goût aussi à la farce et tout ça. Donc voilà, on goûtera ça. Mais elles étaient bien bonnes, donc je me suis dit autant les faire. Elles étaient un peu sucrées comme ça et pas trop sèches, bien juteuses quand j'ai les amis dans le bouillon. Bon, après, elles ont dans la sauce, donc elles ont cuit dans la sauce, donc forcément. Donc j'espère que ça sera bon dimanche aussi. Alors vous verrez pas ce vlog puisque je vais clôturer demain, vous verrez pas mon anniversaire dans ce vlog. Mais je vous incorporerai des petites. Dans suite de la semaine prochaine, des petites images. Voilà, du repas, de l'apéro, de la table, tout ça. De la déco, des filles. Voilà, je vous mettrai ça quand je vous raconterai mon week-end dans le prochain vlog. Et Maryse m'a envoyé un colis qui a l'air encore énorme. Normalement, elle devait m'envoyer un truc pour mon anniversaire. Et il me semble que j'ai eu 4 kilos sur l'étiquette. Je sais pas, j'hallucine ou pas, mais... Ainsi, vu le prix des frais de port qu'elle a payé, ça doit être ça. Donc je suppose qu'elle m'a remis des moules pour la résine. Résine que je n'ai pas fait depuis un très long moment. En même temps avec mes doigts. En ce moment, j'ose plus trop rien faire, question de bricolage, la fimo, tout ça. J'ai trop peur que
ça accentue mon problème. Là, je vais essayer de faire mes ongles aujourd'hui. Je vais refaire une pause américaine. Je vais tenter. Je ne sais pas. Franchement, j'hésite parce que j'ai tellement peur de devoir me gratter encore. Je voulais demander, parce que j'ai dû reprendre rendez-vous chez mon médecin. Mais moi, j'avais déjà pris rendez-vous lundi par internet parce qu'il n'y a rien d'urgent. Hein, mais c'était pour avoir mes résultats justement pour la mycose, qu'elle regarde un peu où ça en était. Ma prise de sang aussi, parce que j'ai fait une prise de sang il n'y a pas longtemps. Et je suis reconvoquée chez le médecin conseil après plus de 2 ans. Donc il me faut un papier du médecin. Ils aiment bien avoir un papier du médecin qui explique un peu tous les problèmes généraux que j'ai. Je vais lui ramener un bouquin. Et comme ça, elle me fait tout d'un coup. Mais là, j'aurais bien aimé qu'elle me fasse tout ça. Et comme ça, je pouvais annuler le rendez-vous. Mais comme elle était déjà fort à la bourre, j'ai pas insisté. J'ai dit je gardais le rendez-vous comme ça. Elle pouvait rentrer chez elle aussi, la pauvre. Enfin, elle travaille sur place, mais elle pouvait aller chez elle manger. Ça sentait bon la bouffe dans son couloir. Donc voilà. Ouais, lundi, j'ai pas été chez le kiné parce que j'étais pas bien. Donc là, lundi, je lui ai demandé voir si elle sait me faire un papier aussi pour le médecin conseil. Ils aiment bien, comme ça, ça prouve que ben, déjà on se fait soigner et que les problèmes ne sont pas inventés. Parce que je suppose qu'il y en a qui le font. Hein. Donc voilà. Ouais, demain je vais. Je voulais filmer aujourd'hui, puis je me suis dit non, je vais faire ce que j'ai à faire d'abord. Comme ça je prends un peu d'avance pour ce week-end et demain je pourrai filmer un peu plus tranquillement. Si je fais mes ongles, je les filmerai quand même. Je ferai juste le nail art. Hein. Si je fais la pause américaine. Franchement, je sais pas, j'hésite, hein, j'ai peur de me regratter à 100. Mais maintenant je sais que ben, de toute façon, c'est pas la pause américaine qui fait gratter. Après, ça peut être ça qui commence, mais il y a d'autres choses qui font aussi. Là, j'ai l'impression que mes doigts, ça va quand même vachement mieux, à part quelques-uns, mais c'est parce que je me suis blessée à force de peler et que j'arrache la peau. Ben, ça me fait des... Ah, ici, ça commence à se soigner. Mais j'ai des pinçons, en fait. Je suis à vif. J'arrache et ça fait un point de sang et ça fait super mal. Après, je vais remettre un peu de crème. Je vais remettre un peu mon huile aussi. Donc, voilà. Ce matin, en faisant un peu tout ce que j'ai à faire, j'ai lancé une vidéo sur des jeux vidéo qui vont sortir en 2024 là, sur PS, dans le genre de The Witcher. Il n'y en a aucun qui a l'air aussi intéressant. Par contre, ah oui, hier, chez médecin, dans la salle d'attente, j'ai vu qu'il y a The Witcher 4 qui va sortir. Normalement l'année prochaine, mais il va sortir que sur PS5. Donc, avant l'année prochaine, il faut que je m'achète la PS5. Donc peut-être au solde, enfin je ne pense pas qu'elle sera soldée, hein. Ça m'étonnerait. Je sais pas, d'abord il faut d'abord que je vois pour le prix de mon remplissage, la castration de Yuki, là il serait temps parce qu'il essaye de sauter Riley. Et bon, elle est stérilisée, hein, donc ça risque rien, hein, mais voilà, pas qu'il s'excite. Après je sais pas si c'est par jeu ou par pulsion. Il est peut-être un peu jeune pour les pulsions encore, je ne sais pas. Mais de toute façon, comme ça, je vais quand même le faire castrer. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de risque. Ryan n'est pas castré, lui, donc qu'il n'y a pas de risque de conflit à propos des hormones mâles. Et puis, mettre de côté pour mes calendriers d'avant décembre. Et puis après, je mettrai de côté pour la PS. Là, j'aimerais bien m'acheter une télé quand même pour mettre. Parce que ça bug un peu sur l'écran. J'aime bien, hein, il a la bonne taille et tout, mais comme je suis en réseau, de temps en temps, ça se pixelise. Ça, c'est affreux. Si vous êtes en plein combat à ce moment-là, c'est un peu chiant. Après, ça reste pas longtemps, hein, c'est vraiment une histoire de 2-3 secondes, hein, mais ça m'énerve. Donc, est-ce que je m'achèterais pas une petite télé de la même taille que mon écran là pour mettre ici devant et jouer? Je ne sais pas. La grande télé, ça va pas, c'est trop grand pour moi. Je ne vois pas bien, ou je vois trop bien en fait, je suis trop, c'est trop grand, j'aime pas les grandes télés, mais plus grand que ça on pourrait pas, parce que sinon je suis comme ça pour voir l'écran, et ça me donne mal la tête.
Et là, c'est parce que bon, quand je me mets dans le canapé, ça va. Je sais même pas lire hein, ce qui est écrit, souvent les sous-titres et tout ça. Mais plus grand, je pourrais pas. Je supporterais pas. On a pas une assez grande maison pour ça. Donc je ne sais pas, je me tâte. J'en ai vu quelques-unes d'occasion sur Marketplace. Hein. Je ne sais pas, je vais réfléchir à ça. Parce qu'à ce moment-là, je peux brancher la PlayStation en Ethernet et en HDMI sur la télé et reprendre mon truc en Wi-Fi. Et si je ne joue pas, c'est pas grave si le Wi-Fi saute. Je ne sais pas, franchement, j'hésite. Mais j'en ai vu des pas chères. Hein. J'en ai vu une à Messancy. Chérie, en congé demain, je vais peut-être voir. Peut-être aller chercher demain. Ouais, je sais pas. Je vais réfléchir à ça. Je vais regarder encore un peu les prix. Je vais voir si je sais négocier le prix aussi. Parce qu'il y en a une à vendre tout près. J'en avais vu des à Aubange ici sur place aussi, mais elles étaient plus chères. C'est trop grande. Parce qu'il fait combien mon écran là? On va mesurer. Attendez, parce que l'écran est plus large que l'écran. Il y a un trou en fait. Donc là, il fait 55 cm de diagonale. C'est mal. Donc ouais, une 60, ça irait. Je crois que c'est 60 les télé. Donc, je vais réfléchir à ça. Ouais, quand j'ai une idée dans la tête, vous me connaissez. Hein. Mais je pense que ça sera mieux. Parce que là, comme je joue en réseau sur mon écran, par exemple, je ne peux pas avoir accès à la boutique. Donc je ne peux pas mettre un jeu à télécharger. Il faut que je reconnecte l'HDMI sur la télé pour pouvoir mettre télécharger le jeu. Une fois qu'il est téléchargé, je peux jouer. Enfin, c'est tout un bordel. Après, bon, là, j'ai de quoi faire avec The Witcher, mais... J'ai vu sur le PSN Plus qu'il y avait des petits jeux comme j'aime bien. Donc, il y a Story of Season, je crois que... Pioneer of Olifstone, un truc comme ça. Donc, voilà. Bref. Bah, écoutez, moi, aujourd'hui, je vais faire mes poussières et essayer de faire mes ongles si j'ai la motivation, si j'ai pas la crainte de me faire mal. Je ne sais pas. Franchement, j'hésite. Ils commencent à bien repousser. Mais est-ce qu'ils repousseront assez vite à mon goût ou pas? Je ne sais pas. Oui, en ce moment, je suis dans ma phase de je ne sais pas. Je ne sais rien. J'hésite pour tout. Voilà, je suis un peu... Mais comme je suis un peu patraque, je crois que c'est normal. Voilà. J'ai l'air jaune aussi. Mais ça, c'est mon anneau. Bon, allez, sur ce, j'arrête de vous tenir la grappe pour ne rien vous dire. Enfin, pour ne rien vous dire d'intéressant, surtout. Et voilà. Si jamais je reçois le colis demain de Maryse, on le déballera ensemble. Parce que y a grève. Normalement, je devrais l'avoir demain, hein, mais il y a grève. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils font grève. Je ne sais pas s'ils font grève chez nous ou pas, si c'est juste dans la capitale ou pas. Donc, je ne sais rien. C'est juste marqué sur l'application qu'il y a grève locale. Voilà, on n'en sait pas plus. Que les colis peuvent être en retard. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Mmh. Allez, sur ce, on switch le jour. Alors, il est très tard, hein. Il est 13h15. Aujourd'hui, chérie est en congé, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris ce matin. J'ai été me recoucher à 10h30 parce que j'ai passé une nuit de merde encore. Je ne sais pas pourquoi je repasse des nuits de merde comme ça. Donc, évidemment, je n'ai pas eu le colis de Maryse puisque grève des postes ici en Belgique. J'ai pas eu non plus mon tissu pour mon canapé. Dommage, j'aurais aimé l'avoir pour dimanche, mais bon, tant pis. Donc, du coup, c'est un autre cadrage. Donc, vous verrez de plus en plus le bordel sur la table, mais je vais certainement le mettre là après. Mais bon, parce qu'hier, normalement, je devais aller chercher une télé. J'ai trouvé sur Marketplace, donc Facebook, une télé 60 cm à 30 euros.
Et du coup, comme chéri, vu qu'il est en congé aujourd'hui, il est rentré plus tard que prévu hier. Donc, le monsieur me l'a amené, en fait, puisqu'il venait aux banches tout près de chez moi le soir. Donc, il l'a déposé. Donc, du coup, pour jouer à la PlayStation, voilà, c'est nickel chrome. Je vais vous incorporer maintenant une petite image pour voir comment j'ai organisé mon bureau, que j'ai filmé avec mon téléphone. Et par contre, je vais encore jouer sur le Mac jusqu'à dimanche, que j'ai la manette, puisque l'autre manette déconne vraiment trop. Donc, je continue à jouer avec la manette PS5 de Sam pour l'instant, jusqu'à dimanche, et voilà. Donc, je dois rester sur le Mac, puisque je ne peux pas jouer directement sur la PS avec la manette PS5, ce qui est dégueulasse, mais c'est PS, hein, voilà, c'est souvent comme ça chez eux. Du coup, Amy m'a déjà envoyé mon cadeau pour mon anniversaire. Elle m'a fait une carte cadeau sur PlayStation Store de 50 euros. Ouh, merci Mimi, là, c'est énorme. Puisque le 22 mars, il y a un jeu qui sort sur PlayStation qui me fait très 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 envie. Donc en attendant The Witcher 4, voilà. Mais maintenant, je me tâte voir si j'achète la PS5 avant ou si je joue quand même sur PS4 en attendant. Je me tâte. Il faudrait que je vois combien j'en ai pour mes dents le 12 mars déjà. 12 ou 13. Voir ce qu'il me restera de ce que j'ai de côté là-dessus. Au pire, la castration de Yuki, ça peut attendre un petit peu. En vrai, Yuki, au mois d'après, je peux le faire. Quoi. Je veux dire, c'est pas non plus un budget énorme. Je ne sais pas, je me tâte vraiment parce que je me dis quitte à acheter un nouveau jeu autant commencer directement sur la PS5 parce que les graphismes seront plus mieux. Je ne sais pas maintenant, je sais que de toute façon pour The Witcher 4 il me la faudra, mais ça c'est que pour 2025, donc je pense quand même que je vais attendre et voir les soldes. J'en ai vu sur Marketplace aussi des pas chers, hein. J'en ai vu une neuve à 300 balles. Donc franchement, ça va quoi. Mais enfin, pas cher. Tout est relatif, hein, bien évidemment. Mais par rapport au prix initial, c'est vraiment pas cher. Franchement, j'hésite, je ne sais pas. Mais je pense plutôt que je vais continuer à mettre de côté, voir pendant les soldes. Et voilà. Je pense que je vais attendre, même si je retrouve une reconditionnée, hein, je m'en fous. Hein, voilà, je ne suis pas obligé que ce soit une neuve, hein, pour l'utilité que j'en ai. Je vais quand même pas jouer à 50 jeux différents, quoique, me connaissant. Surtout avec le PS Plus extra de Georges. Je peux télécharger les jeux aussi. Donc du coup, ouais, ce matin, j'en ai téléchargé un, hein, c'est Horizon. C'est plus mes cas, hein, là. Mais franchement, c'est Dragon's Dogma 2, là, j'attends avec impatience. Vraiment impatience. Donc voilà, je ne sais pas, je me tâte. Maintenant, si on me demande ce que je veux pour mon anniversaire, je pense que je demanderai quand même des enveloppes au cas où. Pour mettre de côté pour la PS5. Je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Donc si jamais vous voulez me faire un cadeau. Moi, ça, je dis rien. Hein. Si jamais mon adresse PayPal, c'est le même que mon adresse mail juste en bas. Voilà, le petit mot est passé. Je ne sais pas, franchement, je me tâte. Je verrai peut-être quand est-ce que j'aurai l'argent. J'ai en discuté avec Chéri. Là, je ne l'ai pas encore vu parce que lui, il s'est réveillé quand moi, j'ai été me recoucher à 10h30. Parce que Ryan est venu me réveiller à 1h du matin encore. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Il le chie à chaque fois la nuit. M'énerve. Alors que monsieur était en bas. Hein. Non, il va me réveiller moi, en haut. Voilà, là il faut que j'aspire mon poil. Je viens de juste remettre du vernis finalement. Je voulais faire la pose américaine pour dimanche et faire un beau nail art. Mais comme mes ongles sont en train de bien reprendre de la vigueur, ils redeviennent plus corrects. C'est vraiment mon tour de doigt qui pose problème encore pour l'instant. Je me suis dit, je vais pas risquer. Je vais d'abord essayer de bien soigner mes cuticules et tout ça. Mais enfin, vraiment la peau du tour de mes ongles qui pèle et compagnie. Ce qui va de mieux en mieux, c'est pas encore ça, mais ça va de mieux en mieux. Surtout, je mets de la crème pour les mains, ma petite huile, de la vaseline quand
Comme par exemple ici, j'ai un point qui me fait super mal. Enfin, vous verrez pas à cause du focus, mais il me fait super mal. Donc du coup, je mets un peu de vaseline dessus pour assouplir. Là, je viens de voir que j'ai du vernis dans les cuticules. Hein, chose très intelligente. Mais bon, il faut que j'aille me laver les mains maintenant. Je me lave toujours les mains après pour enlever le vernis hein, qui a débordé un peu sur les côtés. Donc voilà. Là, je suis en train de regarder The Witcher. Ouais, en attendant la prochaine saison aussi, qui elle aussi n'est que pour 2025. Normalement, au fin 2024, je crois. Par contre, en avril, il y a mercredi, la saison 2 qui sort. Voilà, je crois que j'avais rien d'autre à vous dire. Question planning, je ne sais pas trop vous en dire plus parce que je suis à la bourre dans mes vidéos. Il y a juste une palette, un make-up avec la crématite qui est tournée pour l'instant de mercredi. Vendredi, normalement, si j'ai le courage, vous aurez les produits terminés. Sinon, ça sera directement le vlog dimanche. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, je ne me prends plus la tête. Enfin, j'essaye hein, de ne plus me prendre la tête. Ça fait 2 jours que je me prends la tête parce que je n'ai pas encore tourné les produits terminés. Mais s'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de vidéo. Si les vlogs sont trop courts, enfin trop courts, s'ils sont plus courts que d'habitude, bah tant pis, c'est comme ça. J'ai plus envie de me polluer la tête moi-même à cause des vidéos. En fait, j'ai envie que ça redevienne un plaisir comme j'avais avant. Donc voilà, là vous auriez eu les ongles si j'avais filmé, mais finalement j'ai remis le vernis pour les mycoses pour bien être sûr. J'ai envie de continuer à les soigner avant et je préfère qu'ils repoussent. Je préfère faire les ongles sur mes ongles naturels, enfin faire des nail art sur mes ongles naturels que sur des tips. Donc voilà. Il a trouvé un bout de carton hein, qui est en train de défoncer. Ce matin, j'ai mis décongeler donc la dinde et le haché. Hier, j'ai préparé mes carottes, donc ça, c'est déjà fait. La chérie est partie au conteneur ramener tous les déchets, les poubelles, des travaux et tout ça qui n'ont toujours pas avancé, mais il y a encore les déchets qui étaient là. Il faudrait qu'elle aille m'emmener les bouteilles maintenant à la bulle à verre et qu'il me coupe mes oignons. Pour oui, parce que ça, je ne peux pas faire moi-même, puisque ça me défonce les doigts. Ça brûle, je vous jure que ça brûle. J'ai essayé la dernière fois. Alors déjà, ça me fait pleurer plus que la moyenne. Mais en plus, ça me défonce les doigts, ça me brûle. Et les tomates aussi, et les patates aussi. Je crois que c'est parce que c'est fort acide. Du coup, il faudrait qu'il me coupe au moins 2 gros oignons. 3 petits, 3, 4 petits. Pour faire déjà, vu que je veux faire une sauce avec des oignons caramélisés au miel... comme ça, je peux déjà les mettre dans le miel avec un peu d'huile pour bien les enrober et tout ça, qu'ils prennent bien le goût du miel. Et voilà. Et puis, demain, on aura plus de choses à faire qu'aujourd'hui. La liste est beaucoup plus longue. Hein. Déjà, il faudra tout nettoyer, mais je pense que on va bien nettoyer demain et redonner un petit coup dimanche matin parce que j'ai nettoyé hier avant que le monsieur vienne m'amener la télé et il y a déjà plein de traces de pâte partout. Faut aller aux courses, préparer ma table, comme ça je le fais déjà, cuire déjà mes cupcakes, comme ça c'est déjà fait aussi, lisser mes cheveux, comme ça ils sont faits pour le lendemain, et couper ce qui est à couper pour l'apéro, déjà la saucisse, le fromage et tout ça, vous voyez, comme ça c'est, on n'a plus qu'à mettre sur plateau le dimanche matin, vu que c'est à midi, donc on essaie d'économiser du temps comme on peut. C'est pour ça que j'ai toujours ma table le samedi soir quand c'est... quand c'est pour le dimanche midi ou le vendredi soir, quand c'est pour le samedi midi, ça dépend du jour où je le fais, mais je le fais toujours la veille le soir, comme ça ma table est déjà dressée et je gagne du temps quoi. Alors c'est un peu plus encombrant, c'est sûr pour faire tout le dimanche matin, mais c'est pas dérangeant. Voilà, écoutez, moi j'ai rien d'autre à vous dire. Ouais, j'ai plus rien à vous dire, donc on va pouvoir clôturer ce vlog. Donc n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça fait plaisir, de vous abonner pour vous faire encore plus plaisir. On se retrouve de toute façon mercredi, ça c'est sûr, le reste ce sera soit vendredi, soit dimanche. Et voilà, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous.